Allez, avancez-vous, messieurs, c'est le moment de venir. De venir vous approcher de la bande de roi de venir. Allez-y. Sur la 16e édition, je vous le rappelle, et le public, ça y est, il commence à arriver. On va quand même profiter en étant un peu plus prudent dans les descentes. C'est dur, c'est l'enfer. Ouais, c'est l'enfer ici. On est bien. Oh. Non, c'était l'enfer. Franchement, il y a eu des éclairs à 200 mètres de nous. On a mangé un vent incroyable, de la pluie, des grêlons. On a connu des jours meilleurs. Ouais, le temps c'est dur. Hein. Regarde comment c'est beau. On est bretons, alors on préfère ce temps-là, nous. Tant qu'il fait beau, ça va. Tant qu'il fait pas trop moche comme ce matin. Il est chaud. Très 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 chaud. Couille-moi bien là, c'est parti vite. Superbe. Merci. Superbe. Allez, ouais, je vais. Allez, je vais tomber. Pour un anniversaire un peu dur, hein, purée. Ça y est, il arrive. Mon fils. Eh Benjamin. Allez, on passe. Dans 3 heures. Ciao. Je m'appelle Mélanie, on vient de Bordeaux, on attend le papa de Martin. Alors moi c'est Maud, je viens de Paris, j'accompagne mon mari et avec mes enfants. Et voilà, on fait tous les ravitaux qui sont possibles, accessibles en voiture. Enfin, moi c'est un plaisir, hein. Après tout, c'est... Là, c'est... Le soutenir aussi dans cet effort-là et puis... Soigner les petits bobos, réencourager, maintenir le moral, puisque il y a des fois c'est un peu difficile. Donc non, c'est une belle expérience, c'est une superbe organisation. Et puis on apprend des choses aussi en termes d'expérience. C'est stressant, c'est horrible. Dur. On continue avec le sourire. 2810. Pour moi, le coureur idéal, c'est celui qui arrive et qui sourit, parce que ça veut dire qu'il est bien. C'est surtout son intérêt à lui. Nous, on est là à leur service, et c'est tout. On va essayer de se faire plaisir. 99, mon coureur. Le cadre est magnifique, on en profite plein feu. On garde le sourire à la patate. On se fait plaisir, quoi. Qui est le plus heureux, là? Ton avis, regarde, la clim permanente. J'ai plus qu'à attendre un nouveau client. Je pensais plus souffrir la chaleur, mais finalement, on est pas mal dans les montagnes. Je suis contente. Allez, c'est reparti. On va faire l'éloge de la lenteur et prendre plaisir. Ça va aller. Chargé de l'aiguillage afin de ne pas faire d'erreur. Il faut que les coureurs montent vers le col de la Bonida. Ici à droite, monsieur, s'il vous plaît. Bravo, bon courage. Moi, je les admire, donc je suis là pour les remercier et les aider si je peux. Le challenge, surtout, ouais. Le challenge, ouais. J'adore la montagne et puis j'aime bien marcher. C'est magnifique, hein, mais on va pas se le cacher, c'est dur. Hein. Parce que c'est waouh. T'as déjà fait tellement. Bien voulu finir quand même. Ouais. La prochaine fois. Terrible, ils sont sympas les organisateurs. Après le sandwich, ça ira mieux, je pense. La descente a été un peu dure pour moi, très raide. Bah c'est beau, mais ce matin on en a chié. Parce que la flotte est dans la tempête. Mais sinon c'est beau. Les bénévoles, ils sont tous incroyables, tout le temps de sourire. Ils ont été aux petits soins du début jusqu'à la fin. Ils sont toujours généreux avec nous, chaleureux. C'est brillant, super gentil, super prévenant. Et
ils te prennent tes flasques, ils remplissent les flasques, enfin, c'est super gentil quoi. Wow. Le bénévole idéal, là qui est là. Tout ce qu'on aime qu'on nous fasse à nous, hein, quand nous on est coureurs. Hein. Et après on se repose. Ça fait chaud quoi. Bon, allez, ils sont petits soins, y a rien à faire. Ouais. Merci beaucoup à vos bénévoles, aux organisateurs, et à toi. Puis je suis spécialiste des nouilles. Mais là, il a une blessure à la suite, donc il va arrêter là. Donc je vais continuer. Sans lui. Allez, Bino. Yes. Allez, à toutes les gars. On a décidé de faire la course à deux. Et on a abandonné à deux. Il est très exigeant. Mais on super. Revient, on voilà. Revient. On est quatre copains et copines. C'est être amusant de se passer les relais. Et voilà. On a fait une stratégie de mettre notre meilleur devant et nous de galérer après. Dans la vallée, on crève de chaud. Entre les deux, on n'y voit rien. Mais en haut, c'est magnifique. Moi, c'est Sylvaine Cusseau, j'étais sur le 80 km du Grand Raid des Pyrénées. Maxime Cazajou, cette année, donc, j'ai participé au 80 km du Grand Raid des Pyrénées. Personnellement, je suis très satisfait parce qu'il y a la victoire au bout, qu'il n'y a pas eu de blessure. C'est impressionnant de voir comme un village comme ça peut se mobiliser. Les bénévoles, les locaux, enfin, même les commerçants. On voit que voilà, il y a de l'expérience aussi, c'est super bien organisé, le balisage était parfait, belle ambiance, voilà, c'est dommage qu'on ait eu mauvais temps, mais le reste était parfait. Tu avais envie de dire un petit mot pour les bénévoles, je crois. Oui, merci à tous les bénévoles. Cette âme, je pense qu'elle est due aux bénévoles, aux organisateurs qui sont des locaux, qui sont des passionnés, aux speakers aussi, qui sont du coin, qui connaissent les coureurs, qui mettent l'ambiance, qui ont tout le temps le gaz. J'ai eu quelques larmes à l'arrivée d'émotion parce que c'était tellement fort, ça m'était jamais arrivé. Ce sera l'ultime finisher de cette édition 2023, Sylvain Andrieux. Bravo Sylvain, bravo, bravo, mille bravo Sylvain. C'est pour toutes ces raisons que c'est une belle course.